Aujourd'hui, nous allons voir la méthode pour faire des anneaux prisonniers, soit sur un verre, sur des pieds de boîte de décoration. Là, aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder trop sur le verre, plus sur l'anneau. Alors, pour éviter les vibrations du verre quand je tourne à grande vitesse, pendant qu'on fait l'anneau, je l'ai bloqué avec un petit morceau de sopalin et une petite cale en bois. Et ça évite aussi d'avoir la pointe de l'entrepointe dans le verre. Donc maintenant, on va passer à la fabrication de l'anneau sur le verre. Donc il y a un petit outil exprès, c'est un outil à anneau. Donc il est en forme de crochet. Donc c'est un outil qu'on peut trouver sur tout commerce tournage sur bois. Donc la particularité de cet outil, c'est de former un anneau, mais il y a une petite difficulté à l'exercice, évidemment. Je vais vous montrer dans la vidéo, il faut tourner délicatement l'outil tout en restant bien horizontalement. Donc là, je vais commencer à faire mon verre. Bien sûr, il ne faut pas que l'anneau soit plus grand que le verre. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, on va dégager un angle de chaque côté. Ensuite, vous commencez à réaliser l'arrondi de votre anneau. Alors il est important de dégager de la matière de chaque côté pour pouvoir passer votre bouche quand même.
et pour passer aussi l'outil qui va servir là. Une fois que mon anneau, la forme de l'anneau est réalisée, on va pouvoir passer l'outil. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut vraiment, voilà, le tenir bien horizontalement et venir faire des petits mouvements. Alors vous ne faites pas tout d'un coup, évidemment. Il faut tourner l'outil et le faire de l'autre côté aussi. Alors, petit à petit, on va faire les deux côtés et ça viendra creuser derrière l'anneau, ce qui vous permettra d'avoir votre anneau. Et là, on a le premier anneau qui s'est détaché. Là, je vais creuser un peu pour lui laisser un peu d'espace. Donc, on voit qu'il n'est pas cassé, pas fendu. Donc, on va façonner un peu le verre pour lui laisser un peu d'espace. Et voilà. Alors votre anneau, une fois libéré, alors moi je vous conseille pour les premiers temps un exercice tout simple, c'est de faire ça avec des bois qui n'ont pas trop de nervures et de veines. Alors moi j'utilise beaucoup de hêtre, surtout pour la vidéo. Là mon anneau ne se fend pas. Et plus vous avez l'habitude d'en faire, plus vous pouvez utiliser des bois avec des veinages, parce que évidemment il y a un risque de casse. Thank you.
Donc voilà, le verre fini. Alors, avec le petit anneau incrusté. Vous pouvez évidemment faire d'autres choses que les anneaux prisonniers dans les objets. Donc là, on a encore un verre avec écorce incrustée en prunus. Donc là, la difficulté a été de ne pas casser l'anneau parce que le bois est assez attaqué. On peut en faire toute une série sur des verres qui vont 3, 4, 5, 6, comme vous voulez, sur des longs verres. Et ensuite là, sur une boîte, donc le couvercle a un anneau prisonnier, donc on peut toujours le bloquer et faire une décoration sur la boîte. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. N'oubliez pas, si vous aimez, de me liker. À bientôt.